Hello, c'est Hacher, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, Breaking News, vous pouvez découvrir sur YouTube la bande-annonce du film qui me hype à 100%, c'est-à-dire le nouveau Ridley Scott, Gladiator 2. Ce film sortira le 13 novembre, mais je vais découvrir avec vous la bande-annonce. Je me souviens de ce jour. On va prendre des images du passé. Le jour où un esclave a pu se venger d'un empereur. Où es-tu né? Je ne sais pas. C'est logique, le petit rappel. Je n'ai connu ni père ni mère. Là, c'est fou. Tu me vois toi, mon instrument. Qui es-tu? Entends-tu la foule? Avec Pedro Pascal en costume. C'est le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. Le Colisée. Il y a des spectacles maritimes. Parce qu'ils croient tous qu'en une chose, le pouvoir. Général Acacius. Très spectaculaire. De grandes victoires nous attendent. Rome a tant de sujets, elle se doit de les nourrir. Du combat, de la guerre. La reine change les esclaves en gladiateurs. Son liberté, gladiateur, ok. Tu as quelque chose en toi. Je l'ai su dès le début. C'est vrai, ça. Une rage. Ouais. Cette rage est un cadeau. Vraiment spectaculaire. Survivre. Je crois que c'est la première fois que dans un film on voit les arènes utilisées comme ça. Courez vers le mur. Non, c'est bon, ça. Puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Toute l'armée romaine, gourmand. Le général. Bon, les images sont. Rome doit tomber. Je suis content, hein, de Washington, il a un rôle majeur. Il a la pousser un peu. Pedro Pascal, on le savait. Cette bague appartenait à Maximus. Je te la donne. Qu'est-ce que le rêve de Rome? Si notre peuple n'est pas libre? J'étais esclave, et aujourd'hui je contrôle un empire. Je refuse qu'une autre génération de jeunes hommes soit sacrifiée par vanité. Force et honneur! J'espère que tout n'est pas dans la bande-annonce. Il reste quand même du sacré surprise. Quand même beaucoup dans la bande-annonce. Bon, c'est clair, c'est un super film et honnêtement, ce film me hype. Naturellement, dans la description, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez découvrir cette bande-annonce tranquillement. Mais en ce qui me concerne, elle me hype totalement. Je rajouterai qu'au vu de cette bande-annonce, c'est clair Ridley Scott niveau décor et au point culminant de sa carrière. J'estime qu'aux premières images, le film paraît grandiose. À cela s'ajoute un superbe casting. D'ailleurs, Connie Nielsen reprend son rôle. Ceci dit, le fait que Denzel Washington est dans ce film est selon moi une plus-value supérieure. Cela n'empêche pas que l'ensemble des autres acteurs sont de bons acteurs confirmés, mais j'estime que Denzel Washington fait partie du top des tops d'Hollywood. Naturellement, le 13 novembre, je reviens vers vous.